Laura était censée enfiler sa magnifique robe blanche et commencer une vie à deux avec son prétendant. Mais son expérience lors de la 7e saison de Mariée au premier regard ne cesse de pas dérouler comme prévu. Quelques jours avant son mariage avec Anthony, tout bascule à cause d'un AVC qui la frappe de plein fouet. Priorisant la santé de la jeune femme, la production décide de repousser le déroulement prévu de la cérémonie. Et alors que la date du mariage approchait, la situation prit une toute autre tournure. La production a pris la décision difficile d'arrêter son aventure. Laura et Anthony, mariés au premier regard, @M6 Les experts ont pris en compte l'état de santé encore fragile de Laura. Ils ont jugé qu'un événement aussi émotionnel serait trop éprouvant pour elle. Même si cela a été une décision difficile à accepter pour Laura, elle a compris la nécessité de prendre du repos après son hospitalisation. Pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'une rechute. Le mercredi 13 septembre, Laura a partagé une vidéo en direct depuis son lit d'hôpital, suscitant l'inquiétude de sa communauté. Ses followers n'ont pas manqué de lui demander ce qui se passait. Soucieuse de les rassurer, Laura a écrit un message pour expliquer la situation. Merci pour vos nombreux messages de bienveillance et de soutien. Pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'une rechute, mais du traitement de ma maladie auto-immune. Je décide aujourd'hui de vous dévoiler ma journée car je trouve que nous sommes très peu informés sur le sujet. Que ça vous touche personnellement ou que ce soit vos proches, les maladies auto-immunes sont souvent invisibles, mais pas sans douleurs physiques et psychologiques. Alors, votre soutien est de l'or. Des tensions entre les participants de Mariée au premier regard. Laura et Anthony ont finalement eu l'occasion de se rencontrer en dehors du tournage de l'émission. Si le courant est passé entre eux lors de leur rencontre, leur relation a pris une tournure totalement différente par la suite. Les premiers signes de tension sont apparus sur les réseaux sociaux, où Laura a exprimé son ressenti envers Anthony. Sur Instagram, elle a déclaré qu'elle avait le sentiment qu'Anthony n'avait pas fait d'efforts pour approfondir leur relation. Je me rends compte qu'il n'a pas vraiment cherché à approfondir notre relation. Donc, je souhaite bon courage à sa future compagne, car s'il est pressé de se marier pour éviter les blocages. Confiait-elle notamment. Laura, Mapre, @M6 Des commentaires qui ont bien évidemment fait réagir Anthony. Celui-ci a répliqué en disant, j'ai demandé une femme, pas Schwarzenegger. Ces déclarations n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Sans oublier qu'il a également accusé Laura de chercher à vouloir faire le buzz. Cette série de désaccords a finalement conduit à des échanges houleux sur les réseaux sociaux. Et dire que leur début était plutôt prometteur.